Tous les journaux ne parlent que de cela. Les élections de dimanche ont été un véritable séisme dans le paysage politique espagnol puisque les listes issues du mouvement des indignés ont enregistré une poussée historique face aux deux grands partis traditionnels. Une véritable sanction pour la droite au pouvoir. Le chef du gouvernement, Mariano Rajoy, paye ici le prix de 4 années de politique d'austérité et de scandales de corruption. Que los ciudadanos han decidido cambiar el sistema y le ha dado oportunidad a grupos sociales que los llaman emergentes, que traen ideas nuevas con conductas nuevas. Y han castigado, pues sobre todo han castigado la corrupción. Podemos, créé en janvier 2014 par un groupe d'enseignants en sciences politiques, a gagné une 3e place dans 12 régions, ce qui lui permettra d'imposer une partie de ses idées. Empieza a escribirse en España el fin del bipartidismo. Los partidos del poder han tenido uno de los peores resultados de su historia. Es verdad que nos hubiera gustado que el desgaste de los partidos viejos fuera más rápido, pero la situación nos obliga a trabajar mucho, a seguir esforzándonos y a continuar en una línea que nos lleva con una voluntad muy clara a la transformación política de nuestro país. A Barcelona, la lista d'une indignée est arrivée en tête devant celle du maire nationaliste sortant, Xavier Trias. À Madrid, la liste comprenant notamment Podemos est également arrivée 2e après celle du Parti populaire sortant et pourrait gouverner avec l'appui des socialistes.